Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4, chers amis. Donc, nous allons rentrer dans le cœur du réacteur. Hop, c'est parti, enfin dans le centre du contrôle du noyau. On va aller voir, apparemment les radiations sont mortelles dans le coin. Par conséquent, je pense que nous allons devoir utiliser beaucoup de radioway. Mais bon. Ah non, il n'y a pas que des radioway, hein, clairement. Là, pour le coup, il n'y a pas que ça. Du coup, je m'attends à avoir très peu d'ennemis dans le coin. Quand je vois les protections mises en œuvre. Non, mais attendez, nous on est couillus, nous, chers amis. Nous, on va passer par les lasers. Oh là là, et... Ah, si c'est possible. Houhou, d'accord. C'est bon. Et de une. Il y en a une deuxième, d'accord. Et de deux. Et de trois. Et de 4. Zone sécurisée. Hop, non, ce qu'on va juste faire c'est couper notre lumière. Fausse alerte. Repos. Il est pas loin pourtant, hein. Hop. C'est bon. Ça, c'est fait aussi. Là aussi. Ok, recherche, on peut passer. D'individus hostiles. Ok. D'accord, c'est un colonel Gusty. Ok. Fuir ne fait que prolonger la souffrance. Boum. Tu connais le P99? Bah lui, il t'a bien connu. Hunting rifle. Du coup, pas la peine. Il a explosé ce sac. Il y avait des munitions là-dedans? Ok. On s'en sort. Détection d'un intrus non identifié. Début de la prochaine. Alors là, ça c'est rigolo parce que je l'aurais bien vu derrière la porte. Nain de jardin, je prends le nain de jardin, faut le sauver. Il faut sauver le nain de jardin. C'est rigolo qu'il continue à parler celui-là. Donc on avait un terminal ici. Les notifications du complexe. C'est parti, on va aller voir ça. Attention. Sur ordre du capitaine Wabash, fuite détectée dans le confinement du sous-marin. Protocole d'évacuation générale en cours. Le personnel doit se rendre aux zones d'évacuation désignées. Attention. D'accord. Intrigant. Ça me plaît. Ok. Il y avait une porte sur la droite, on va aller la voir. Mais elle ne s'ouvre pas. Lancement de l'attaque contre la cible. Hop. C'est cool, c'est qu'on voit le petit pointeur rouge. Sûrement des tourelles. Même pas. Même pas de tourelles, d'accord. Si, il y en a une, elle me cherche. Elle me cherche, donc il y en a une. De musique complètement épique. Oh, de la pauvre viande. Qui doit être là depuis des lustres. Pousse-toi, Canigou, s'il te plaît. Merci. Allez, encore plus loin.
Ok. Bon, bon, bon. J'aime pas l'endroit. Soyons honnêtes, je l'aime pas. Au moins, je fais le plein de munitions. C'est tout ce qui compte. D'ailleurs, je pense que je vais devoir ressortir un... Tiens, un fusil à levier, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y en a d'autres dans le coin. Oui, oui, j'ai mis le glowing sight. Pour voir dans la nuit. J'ai pensé à vous. L'ombre qui a bougé m'a foutu les boules. Là, c'est un cul-de-sac et des rades. Contact. Oh la vache! Oh la vache! Oh la saloperie! Putain! Oh nom de Dieu! Elle m'a foutu les boules! Oh la gueule! Qu'est-ce que j'ai contre ça, moi? Ah bah j'ai rien, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, pardon. Gamma gun, super mal. Non, non, c'est pas la peine. Ok, on y va. Elle avait un module d'invisibilité. Ah pardon, où je recharge. Il va péter. Reprenons de quoi bouffer. Du Bernard l'ermite grillé va nous rassasier. Voilà. Ah. Putain, je capte toujours pas comment qu'elle a pu nous faire peur à ce point-là. Hop. T'inquiète. Alors clairement, chers amis, je vais pas vous mentir. Je suis persuadé. Je répète. Je suis persuadé que des gens vont venir de par là. Mais bon. Terminal d'accès au centre de commande, j'ai pas eu le temps de lire la suite, attention. Commande de sécurité de la porte, c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Ok, accès au verrou. Bon, jusque là ça se passe plutôt bien. C'est une fois qu'on sera dedans que ça va être différent. Hop, c'est parti. J'aimerais pouvoir refermer la porte derrière moi si possible. D'accord, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui ne s'ouvrent pas. Je vais fouiller la zone avant. Hein. Parce que franchement, ça sent le piège à plein nez une fois qu'on sera dedans. Mais bon. Mais bon, mais bon. Donc qu'est-ce qu'ils disent dans la truc de mission? Mieux vaut oublier. Aider le grand confesseur. D'accord. L'hérétique. Ah oui, le fameux hérétique. Parler à la dévote Tay. Oui, oui, oui. Bon. Des munitions. Ok, ok, ok. Bon bah on est prêt. On est prêt. Je vais juste voir la longueur de la vidéo à l'heure actuelle pour savoir à peu près à quel moment je vais devoir m'arrêter. Et je reviens, chers amis, à tout de suite. Re, chers amis, donc nous sommes à peu près à 10 minutes. Eh bien écoutez, on a largement le temps pour la suite. Hop. Programme de Faraday déverrouillé. Interface de simulation informatique désactivé. Courant auxiliaire éteint. Courant auxiliaire éteint. D'accord. Et donc, où suis-je censé brancher les câbles?
putain, c'est là. Vite, on se dépêche. Oh nom de Dieu. What? J'engage le combat à distance minimale. Les maudits soient les humains et leur meurtrière. Voilà. Oh de Dieu. Elle nous aura fait mal. Allez, vite. Vite. Hop. Programme de Faraday. Ça y est, on est dedans. Connexion d'admin. Mot de passe requis. C'est bon. On est dedans. Mémoire. 0V9AX0. On y va. Programme brise-glace. Prise de contrôle. Oh non de Dieu. L'établi de repos. Oh putain. Oh putain. Mais qui sont cons. Je hais ces développeurs. Si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes à l'intérieur de mes banques mémorielles. Respirez un bon coup, il y a beaucoup d'informations à intégrer. Je vais ces développeurs simplement, chers amis, parce qu'en fait, ils n'ont pas su résoudre les problèmes de keybinding et ils te foutent un mode en le sachant pertinemment. Que vous voyez, un mode qu'ils utilisent. Données, mes données. Lorsque je suis branché à la chaise, voici ce que je vois. Vous utilisez une version plus ancienne de cette technologie. Il ne s'agit pas d'une interface neuronale, mais d'un scan cérébral. Oh là là. Regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez la colonne jaune au loin? C'est ici qu'est stockée la mémoire à long terme, votre objectif. D'accord. Mais vous ne pouvez pas récupérer les données par vous-même. Sur cette holobande, vous trouverez un programme qu'on appelle indexeur. Il s'agit des lutins verts qui fourmillent un peu partout autour de vous. Est-ce que vous les voyez? Oui, 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 je les vois, ils sont là. Les indexeurs n'ont qu'un rôle. Accéder aux données de la colonne jaune et les ramener au point d'accès mémoriel. Votre mission est de les aider à faire le trajet en toute sécurité. Dès qu'ils auront récupéré toutes les données, le programme les traduira en un message compréhensible. Si vous devez quitter la simulation, ne vous inquiétez pas. Rien ne sera réinitialisé, vous pourrez reprendre là où vous en étiez. Pour commencer, les blocs bleus sur lesquels vous vous tenez sont des blocs de données. Vous pouvez les reprogrammer. Essayez de prendre des blocs clairs et utilisez-les pour colmater les trous sur le chemin de vos indexeurs. Ouais, ouais. C'est quoi, ferme ta gueule. Il y a une boule rouge là-bas. Bien, vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? Oui. C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible. Jusque-là, ça me semble classique. Allez, mec. J'en ai principalement besoin. Bien, vous avez traversé un trou. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux rouges vous bloquent et empêchent les indexeurs d'atteindre les données. Est-ce que vous voyez le rayon de lumière verte? C'est un décodeur capable de détruire les pare-feux. Il suffit de l'orienter vers leur point faible. Voilà. Bien. Il
ne vous reste plus qu'à utiliser les blocs de données afin de créer un chemin pour vos indexeurs. Ok. Allez mec, vous pouvez y aller là. Ok, on est bon. Non. Le système a détecté votre présence. Les choses vont se compliquer. Vous devrez déployer des éléments défensifs pour combattre les contre-mesures actives du système. Les sentinelles feront tout pour empêcher vos indexeurs de revenir au point d'accès avec les données. Voilà, c'est bon. La suite. Une fois que les indexeurs ont récupéré les données, ils doivent les ramener jusqu'au point d'accès. Mmh. Oui, je me doute. Mais je l'ai pas fait suffisamment là. Alors, c'est quoi ce bordel ? Souvenez-vous, votre mission est de faire en sorte que les indexeurs retournent au point d'accès avec les données. Ils sont même pas repartis pour l'instant. Ils sont coincés là. Hello ! Oh la gueule. Vous pouvez pas venir avec moi ? Parce qu'il vous manque des... Ah ! C'est parce qu'il leur manque des trucs sur le chemin, j'imagine. Comme j'ai tout enlevé au fur et à mesure, moi je savais pas qu'ils devaient revenir à la base. Il faut simplement que les indexeurs arrivent jusqu'au point d'accès avec les données. Ouais, mais t'es drôle, toi. Ok. Il y en a un qui est même resté là, alors imagine. Ok, c'est bon. Il faut que vous leur trouviez une voie sûre jusqu'au point d'accès. Alors. Un instant, chers amis. Chers amis, excusez-moi, un numéro de téléphone bizarre m'avait appelé. Comme à chaque fois, de toute façon, on n'est jamais tranquille. Alors, hop. Données récupérées à 60%. Il a quand même semblé les avoir récupérées, les tourelles, mais non. Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif. What the... C'était pas moi. Ça, c'était pas moi. Lancement de la suppression de l'indexeur intrusif par la sentinelle. Ça, c'était pas moi. Indexeur intrusif détecté. Ok. Ça pue. Intrusion détectée. Lancement des contre-mesures. C'est pas moi qui t'attaque. Non, c'est pas moi qui t'attaque. Lancement du protocole de suppression de l'indexeur non autorisé par la sentinelle. Là, la dernière.
Oh merde, je crois qu'elle s'est fait sniper. Oh la pauvre. On a vu le tir l'arrêter net. Programme intrusif détecté. Allez, vas-y Simone. Mouais, bon. Vérification du fichier. C'est un mini-jeu rigolo. 100%. Nous avons terminé. Nous avons maintenant un point d'accès vers le souvenir suivant. Entrer dans le flux de données où ce souvenir était enregistré. D'accord. Ok, je suis en train de comprendre le principe. Mémoriel 0V-9AX0. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. Attendez. Ça va mal à Far Harbor. Attendez. Graphique ajouté. Complexe médical improvisé sous l'usine Vimpop. Coordonnées téléchargées. D'accord. Ok, ça m'inquiète, je l'avoue. Quand on planque un truc derrière un truc médicalisé, c'est pas bon signe, autant vous le dire. Hein. Ça fait genre, vous ne pouvez pas le détruire. C'est médicalisé, ne faites pas ça, voyons. Là, je vois des ennemis tout le long. Ce qui veut dire... mise en place d'une tourelle. Ici aussi. Récupère un maximum de blocs. Rayon ici. Donc, rayon à déplacer par endroit, je présume. Ok, on a un rayon donc qui passe par là. Qui ne passe toujours pas ici. Donc, apparemment, il y a un rayon qui passe en dessous. Donc ça, je percute. Ça, il n'y a pas de problème, je l'ai. Littéralement, je l'ai. Donc, ça passe. Ok. Que là c'est bon. Ensuite, voilà, parce que là ça va être bon parce que je vois la flèche qui sort. Merde. On va considérer que c'est sur là, c'est bon au niveau de la flèche. Voilà. Ok. Ici. Ok. Avant de mettre quoi que ce soit, on va recouvrir de cubes. Hop. On a 11 cubes d'avance.
Non, j'aimerais que tu lis. Qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu fais ça? On est bon. Ok. Hop, voilà. Et donc, on va avoir besoin, j'imagine. Une tourelle ou deux ici. Programme intrusif détecté par une sentinelle. Compromission des données détectées. Lancement des mesures anti-intrusives. Regarde où elles vont. Je regarde où elles vont. Ici. Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif. On devrait être bon. Compte tenu de leurs différents points de spawn, on devrait être bon. 20, 40, 60, 80. Il m'en manque une. 100. La voilà la dernière. Ça devrait aller assez vite. Premier bloc de données récupéré. Bien. Continuez comme ça. Ça devrait aller assez vite. On va se rendre sur place. Du protocole de suppression de l'indexeur non autorisé par la sentinelle. Récupération de la mémoire à 100%. Parfait. Vérification positive. Cool. Pourquoi vous c'est resté jaune? Vous pouvez utiliser le flux de données comme point c'est d'accès bon. Vers le souvenir suivant. Alors. Numéro de fichier mémoire. Voilà. 0J-2NN8. Conversion en transcription audio. De la lecture. Je transfère ce souvenir. Je ne supporte plus de mentir au confesseur Martin et à ses enfants de l'atome. Je préfère oublier. D'accord. Je sais où se trouve la clé de lancement du missile nucléaire dans le sous-marin. Oh putain. Le confesseur Martin pense qu'elle pourrait leur permettre d'amener la fragmentation, la destruction par le feu atomique. Je ne sais pas s'il saisit toute la portée concrète de ses préceptes. Je ne peux pas prendre le risque qu'il trouve cette clé. Ses enfants et lui ont été les premiers à m'accepter comme je suis. L'idée de les voir disparaître me fait beaucoup de peine. Données supplémentaires ajoutées. Lieu, abri sécurisé du grand hôtel de Far Harbor. Combinaison 4, 8, 5, 1, 3, 0. Donc ça c'est le mot de passe de l'hôtel. D'accord. Ce qui veut dire que la clé de lancement nucléaire est dans l'hôtel. Oh la gueule. Allons-y. Allons-y, allons-y. Alors. Ok. Ok, ça je comprends. Il n'y a pas de souci, je le comprends plutôt bien. Maintenant. Les tourelles sont déjà actives, vous avez remarqué? Ah non, elles peuvent pas venir de par là, c'est pas possible. Il y a une fin de niveau là-bas. Elles ne peuvent pas venir de par là, c'est pas possible. Le laser est tellement haut ici. Bon, hop. Crac, voilà. Là-bas, je ne peux pas m'y rendre. Ah si, je peux m'y rendre. Je peux m'y rendre en me servant des plateformes. Un quelconque rayon qui vient jusque là. Non. Mais il y en aura un.
mais il y en aura un. Ok. On va récupérer les plateformes au fur et à mesure. On va essayer de passer avec nos amis. Alors. Allons-y. C'est parti. Il m'en faut encore un. Je crois que c'est celui-là. Hop. Parfait. Allez, fais pas le con. Hop. Ah. Hop, voilà, excusez-moi, c'est la synchro des doigts qui en chie. Ah, d'accord, il s'est retourné en même temps. Encore un peu. Le voilà. Hop. C'est bon. Ok. Ça se passe plutôt bien. Hop. Crac. Pas besoin de que ça aille si loin. Avant d'aller plus loin, j'ai placé des tourelles là où je vois actuellement des ennemis. Indexeur intrusif détecté. Y a-t-il des ennemis dans le coin ? Apparemment non. Putain, ils sont passés. Merde. Là, il y a des ennemis aussi. Pas plus mal, ce serait peut-être pas plus mal de les arrêter avant. Avant de tomber dans le trou, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que... Ah non, je crois qu'il y en a un qui était passé. Faut que je remonte par-dessus. N'ayez pas peur, je vais pas me casser la goule. Ok. Casser la goule, hein, vous avez vu la blague. Ok. Ça continue à tiroyer dur par contre. Ça faut bien le remarquer. Il semble que c'est ici. Ah la vache. Ok. Et oui, monde informatique. Je peux placer les cubes comme je veux. Faut que je redescende, cela dit. Allez. Allez, 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 allez. Hop. Je tombe à court de cube. Je tombe à court de cube. Hop. Voilà, on va supprimer ceux-là. Alerte. Compromission des données détectées. Hop, allez, hop. Lancement des contre-mesures anti-intrusion. Ils vont se charger. Et on va être bon.
On devrait être bon. On revoit la 5. Parfait. Bon bah on va bien voir. Est-ce qu'ils vont réussir à y aller? J'ai un qui est parti. Bon. C'est pas mal comme jeu, hein. C'est pas mal comme mini-jeu, hein, mais... Disons que je m'attendais à 1000 fois mieux que le mode... Le mode moisi. Je peux même pas... Vous voyez, je peux même pas... Non, je peux pas quitter la simulation. Je peux même pas... Je peux même pas aller vérifier si je peux corriger le... Corriger les comment... Les touches. C'est triste. Très triste. Récupéré à 60%. 80% mémoire et 100%. Entièrement récupéré. Parfait, ça se passe plutôt bien. Le flux de données peut maintenant servir à accéder aux souvenirs suivants. Numéro de fichier mémoriel 0H-3X0P. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. J'ai préparé un plan d'urgence au cas où Far Harbor découvrirait la vérité ou s'abandonnerait totalement à sa xénophobie malgré tous mes efforts. J'ai isolé la turbine qui alimente les condenseurs de brouillard de la ville. Il suffira d'une simple commande d'arrêt d'urgence pour les laisser à la merci du brouillard et de ses créatures. Oh, ces putes. Mais serais-je vraiment capable de faire une telle chose? J'espère pas. Ce massacre que j'ai froidement orchestré. Je vais supprimer le code de commande de ma mémoire. Je vais en faire une copie et la cacher quelque part au cas où. Je ne peux pas la garder avec moi. Cette seule pensée me rend malade. Ah, c'est quelqu'un de foncièrement bon, mais on a l'impression qu'il a une logique. Coordonnées du code d'arrêt d'urgence et du bâtiment de maintenance du parc éolien. En fait, c'est ça, c'est une personne bonne avec une... C'est comme s'il avait... C'est comme si c'était un humain d'une partie et un robot logique d'une autre partie. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, les commençants... Enfin, lui, c'est un ordinateur quantique, littéralement. Hein. Il a une réflexion et il se pose des questions. Mais... On a plutôt l'impression que c'est l'inverse, en fait. Comme s'il avait un cerveau humain, comme si c'était un humain d'un côté... Et qu'il avait une réflexion logique A ou B, quoi. Vous voyez le truc? Bon, la suite. C'est pas mal, ce petit truc, hein, mais bon. Franchement, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus extraordinaire. Puis ça casse le gameplay, quoi. Oh là là. Oh là 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 là. Ça casse littéralement le gameplay. Salut les filles, vous êtes là, ce que je vois. Ok. Peux-tu venir, s'il te plaît? Alors, 1. Là, on est bon. Voilà. Ok. Vraiment, faut que j'arrive à aller la mettre jusque là-bas. Ça vient d'au-dessus? D'accord. On va prendre les bons cubes, ce serait pas mal. Hop. Ok. Hop. Ok. Je crois être bon, chers amis, niveau distance. Je me trompe peut-être. Non, j'étais bon.
C'est tellement pute. Allons voir. Soyons joueurs. Il faudrait la faire venir le rayon jusqu'ici, c'est ça? En le faisant passer par en dessous, donc. Oh là 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 là, le casse-tête. Le casse-tête, chers amis. Mais non, mais je t'ai récupéré. Je veux le stocker. Ah, c'est parce que ça me met pas le... D'accord. Ok, pourquoi pas. Est-ce que tu crois que je peux en redescendre? Vaut mieux éviter. De mon point de vue, vaut mieux éviter. De plus. Alors eux ont réussi à passer, je vous demande encore comment. Vas-y, bonne chance toi. De ton côté, ça peut être sympa. Voilà, je passe ça comme ça histoire de se faire de la sécurité. Puis ça me coûte des cubes. Donc, où va ce laser? J'estime qu'il est là. Pas la bonne direction. Ok. Je me suis pas trompé. Donc il va ici, mais un cube plus loin. Me trompe le jeu? Non. On va devoir aller voir jusqu'où ils vont maintenant. Je suis allé jusque là sans raison donc. Je récupère mes blocs. C'est pas plus mal. Par contre toi t'avances pas et ça m'inquiète l'ami. Ah, est-ce que c'est parce que les autres n'ont pas de raison d'avancer non plus? Tout simplement. Là. Alors on peut voir aussi des ennemis. Ce serait peut-être temps que je les protège. Un, deux. Trois. Et je n'ai plus de cubes. Je n'ai plus de cubes, chers amis. Donc j'ai loupé littéralement une zone. J'ai littéralement loupé une zone. Il va falloir aller refaire tout ça. Donc j'ai loupé la zone et bien entendu ça recharge de cubes. Ok. Je pensais que je l'avais loupé. Il semble que je me sois trompé. Indexeur intrusif détecté. T'es drôle, toi. Parce qu'il me manque plein de cubes en fait, hein. Au moins un. C'est un cube comme ça qui me manque. Et je vais être honnête, je n'ai aucune idée de là où il est censé être.
Vous allez comprendre tout de suite. Ah non. À quoi ça sert que ce truc là il aille jusque là? Ah bah il a pété déjà le truc, oui d'accord. Non, c'est moi qui suis dans la colle en fait. Vous devriez être en mesure d'avancer là, non? Ok. Voilà, on est bon. Alerte de sécurité. Intrusion détectée dans le stockage à long terme. C'est bon. 1, 2, 3 qui partent. Programme intrusif détecté. Parfait. Apparemment, ça se passe assez bien. Programme intrusif détecté par une sentinelle. 60%. 80%. 100%. Récupération à 100% vérifiée. Beau travail. Utilisez à nouveau le flux de données pour accéder au... Non. Attends deux secondes. Numéro de fichier mémoriel 0Z-7A4K. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. Vous approchez pas de moi. Vous êtes quoi, bordel? C'est moi. Nous avons vu l'Institut ensemble. Tu es mon frère. Je n'ai pas de frère. Je suis Nick Valentine. Et j'ai jamais eu de monstre en plastique dans ma famille. Merci bien. Tu es un peu sonné. Laisse-moi t'aider. Ne vous approchez pas de moi! Qu'est-ce qu'il a fait à Nick? Je ne veux pas te faire de mal. Adieu, mon frère. Fin de la bande. Qu'est-ce que... Alors là, je suis sur le cul. Ça, je m'y attendais pas. Ok. Suite. Ça, je m'y attendais pas du tout. Bravo le jeu. Oh la gueule. Je pense que ça va être le dernier niveau. Je vais essayer de le faire dans l'épisode, ce sera fait. C'est quoi ce niveau? Donc, on va commencer par aller par là, j'imagine. Mais non. Non. On va commencer par le récupérer aussi, tiens. Oh là 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 là. C'est quoi ce niveau? C'est quoi ce niveau? Et le passage n'est pas fait, hein, je précise. Le passage là-bas n'est pas fait du tout. Ce qui veut dire qu'il faudra que j'aie assez de cubes pour le faire. Donc, un rayon laser qui passe par là. C'est quoi ce bordel? Bon. J'imagine qu'on a du boulot. Qui aura peut-être nécessité d'avoir tous les cubes avant.
Crac, crac. Vous voyez qu'on a différents niveaux qu'on va devoir activer différemment. Par exemple, on va commencer par celui-ci, qui est disponible déjà à l'heure actuelle. Qui commence à ce niveau-là, je dirais bien. Effectivement. Alors, hop. Parfait. Oui, d'accord, ça ne se reconstruit pas. OK. Hop. Là par contre je trouve ça vraiment stupide hein. Franchement là enfin bon. Peut-être le seul à pas l'avoir résolu ce problème hein. C'est possible aussi hein. Alors, y a clairement un chemin qui me dit d'aller là-bas. Ok, on y est. Bon. Aucun cube véritablement indispensable. En tout cas, pas de cube particulier. Et apparemment rien de particulier même. Est-ce que je dois laisser le chemin ? C'est là qu'est la vraie question, est-ce que je dois laisser le chemin? On va monter là, on va aller voir rapidement s'il y a véritablement quelque chose ou pas. Récupérer là-bas, non, donc je récupère mes cubes. Je récupère mes cubes. Hop. Parfait. Ici on n'a rien à récupérer non plus. Là on a tout récupéré. Vous voyez que ça doit venir par au-dessus. Après reste à savoir comment on veut le faire. Ah oh, je le ferai bien comme ça. J'aurais dû laisser le cube là-bas. Attendez, on va essayer de le faire comme ça. On va essayer. Forcément. Non, pas bon du tout. Allez, putain. Mais non, mais ici. Oh la gueule. Bon, il veut pas. Et quand il veut pas, il veut pas. Parfait, bah on va le faire comme ça. On est d'accord, ça illumine ici. J'en ai combien? 5. D'accord. Alors, est-ce que je dois mettre un cube supplémentaire? Non, normalement c'est bon. Test. Ok, ça a fonctionné. Parfait. Donc j'imagine qu'il faut que j'aille récupérer le cube là-bas. De toute façon, vu la longueur du chemin, je pense que je vais pas avoir trop de problèmes pour défendre mes petites puces. Mes bugs. Parce que ça s'appellera sûrement des bugs en version originale. Donc vous voyez, normalement on aurait dû le faire passer par là-bas. Et bon, ce n'est pas le cas.
Jusque là, ce n'est pas le cas. Pourquoi je m'embête? Attendez. Pourquoi je m'embête? Je viens de voir un truc. Pourquoi je m'embête? Il y a peut-être pas de truc qui passe là en fait. Attendez. Ouais, c'est un cran en dessous. C'est un cran en dessous. Puis j'imagine qu'il faut que je supprime tout le reste d'abord. Non, je sais pas. Pourquoi je m'embête? Essayons quelque chose, chers amis. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas. Ça passe bien au travers, on est d'accord. J'en ai encore deux. Trois même, ben voilà. Voilà. Le problème, il est résolu. Oh putain. La gestion de ce truc. Ah non, on peut pas les faire, on peut pas les plier vers le bas. D'accord. Je viens de comprendre. Ok, capiche. Alors comment je suis censé faire? Oh là 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 là, la violence de ce truc. Ok. C'est violent. C'est violent, c'est violent. Il faut que je passe par là. T'es sérieux en fait, faut que je fasse faire clang clang clang. Oh la gueule. Ce jeu des fois. Oui c'est bon, j'ai bien compris que tu voulais pas aller là. Oh la gueule, la gueule, la gueule. Cet écart de difficulté entre les deux moments, c'est d'une tristesse. Enfin, c'est même pas une question de difficulté, c'est une question de temps. J'ai pas... Enfin bon, j'ai pas signé pour ça, comme dirait l'autre. Ok, donc faut que ça vienne là. Le problème c'est que si ça vient là, je l'ai dans le baba parce que je peux pas aller jusque là. Il faut que je traverse ce truc là. Donc non, c'est bien ce que je disais. Faut que ça vienne. Faut que ça vienne de là. Cette hauteur là. Que ça passe là-dedans. Que ça trépasse là. Oh là 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 là. Ok, bon bah on y retourne, chers amis, on recommence. Hashtag le mot perte de puissance, ils connaissent pas. Allez, vas-y. Parfait. J'aurais dû tout laisser sur place. C'est génial. Non, non, toi tu restes là. Un minimum de respect à avoir pour ma condition de joueur. Tu veux bien le placer le cul, merci. Parce que bon, déjà je vais me retaper toute la reconstruction du machin. Hop. Oh là là, la réflexion.
Oh non. Tu vas là et tu fais pas d'histoire. Hop les boum. Ça a marché. Merci de bien vouloir me rendre mes cubes. Toujours agréable. Oh, faut que j'aille là-bas aussi. Seriously? Non. Non, non. Attends, Marcus. Va d'abord analyser le truc de près. On verra ensuite. Par contre, ce que tu peux te permettre de faire, c'est de mettre déjà des tourelles. Déjà. Au cas où. Toi, t'auras pas à tout refaire. Ok, ensuite. Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif. Ah, je crois que j'ai été grillé. Attends, 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 faut que j'aille chercher ce truc-là d'abord. C'est ça que t'es en train de me dire. On est d'accord. Oui. C'est pas grave en soi. Tant que je récupère mes cubes. Apparemment, je peux pas non plus me... Pas non plus me baisser. Baisser BG, hein, vous programme connaissez intrusif détecté. Récupère un maximum de cubes, Marcus. Ça peut toujours être utile. Surtout si tu veux remonter ensuite. Attendez, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Lancement de la mise en quarantaine du programme intrusif. En train de me dire qu'il y a un cube devant, c'est ça? Ok, de ce côté-là, c'est passé. Ensuite. Comment je suis censé le faire? Ah oui, par le bas. Lancement non, du pas. Protocole de suppression de l'indexeur non autorisé par la sentinelle. Comment je suis censé redescendre? Par là. D'accord. Attendez, 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 attendez. Comment je suis censé faire là? Oh putain. Je crois que j'ai compris, et ça me fait pas plaisir. Ok. Bon. Il va falloir que je me fasse un ascenseur, enfin un escalier, une rampe en tout cas. De 3 de hauteur par rapport au sol. Là-bas. Indexeur intrusif détecté. Oh la gueule. Faut que je la fasse baisser quoi, littéralement. Faut que je la fasse baisser d'un cran. Et les trois de haut. Là je suis au niveau du... Non, là je suis pas au niveau du sol. 1, 2. Faut qu'il vienne à ce niveau là. Si j'ai pas... Programme si j'y arrive bien. Détecté par une sentinelle.
Oui, d'accord. Hop. On évite de tomber. Jusque-là, on a bien réussi. Ok, je devrais être bon au niveau hauteur. On me dit pas que je suis un cube trop haut. Non, ça me semble bon. Ça me semble bon. Cela dit, il va me manquer un cube. Seriously? Ah bah oui, le cube qui est au-dessus. Oui, d'accord, le cube qui est au-dessus, effectivement. Faut que j'aille le récupérer. My bad, my bad. Ok. Est-ce que je peux désauter de là? Lancement du protocole de suppression de l'indexeur non autorisé par la sentinelle. Ok. J'aimerais m'écarter du centre le plus possible. Que je puisse placer mon cube comme il faut. Crac. Ok. Je me suis planté d'endroit et c'est pas mis au bon endroit. Allez! Allez! Voilà. Lancement du et normalement, de suppression de l'indexeur non autorisé tant bien par que mal. Alors c'est ici qu'il passe. J'ai plus assez de cul pour m'amuser avec ça, donc c'est chiant. Wouhou! Programme intrusif détecté par une sentinelle. Ok, c'est parti. Wouhou! J'espère que c'est dernier niveau. Alerte de sécurité. Oh là là. Compromission des données détectées. La prise de tête. What? Lancement des contre-mesures. Cet épisode doit durer genre 1h10 déjà là. Oh, le montage de merde que je vais me taper. Oh! Lancement de la suppression de l'indexeur intrusif par la sentinelle. Données récupérées à 60%. À 100%. Mémoire complète récupérée. Ah, complète. Parfait. Vous pouvez sortir de la simulation à tout moment. D'accord. J'attends d'avoir le cinquième. Voilà. 0Y-8K7D. Conversion en transcription audio. Début de la lecture. J'ai trouvé une entrée singulière dans les banques de données d'avant-guerre de la base de sous-marin. D'accord. Les soldats postés ici étaient équipés d'un modèle d'armure assistée très sophistiqué. Ok. J'en ai trouvé quelques-unes dans des états de détérioration variable. Mais la base en avait commandé une flambe en neuve le jour de la chute des bombes. Ça m'intéresse. Parfait. Mémoire bon. Complète récupérée. Arrêt de la simulation dans 3, 2, 1. Hop là, on peut sortir. Bon, bon, bon. Alors, j'imagine qu'on va se trouver devant des gens. Cet épisode de plus d'une heure. Oh, je vais me faire tellement de mal à le tourner, comment le monter et à le uploader aussi d'ailleurs. Oh là là. Alors, le nom de l'épisode, on entre dans la matrice. La matrice. Ok, j'espère que j'aurai assez de place dans le titre. Bon, c'est bizarre, je m'attendais à être rejoint. Bon.
Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, de votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour cette aventure. Salut les gens et yop.